quand Johnny Hallyday évoquait les trahisons de ses amis « Quand on me trahit une fois c'est fini ». Au cours de sa carrière, Johnny Hallyday a rencontré de nombreux artistes, acteurs et figures politiques, devenus au fil des années ses amis, ses partenaires de route. Le célèbre rocker a eu la chance de côtoyer les plus grands et ce, aux quatre coins de la planète. Mais comme dans toute célébrité, il y a une part d'hypocrisie et de superficialité. Johnny Hallyday a ainsi vécu des ruptures amoureuses douloureuses mais aussi des déceptions en amitié et s'il a toujours confié ne pas être rancunier, l'interprète de « Je te promets ne pardonner pas facilement quand on me trahit une fois, c'est fini », avait-il confié à Télérama en 2003. Je ne suis pas rancunier, mais je n'ai plus confiance. Je ne crois pas être particulièrement exigeant avec mes proches. Je veux juste de la franchise. Johnny Hallyday n'a ainsi jamais pardonné à Michel Sardou pour ses propos envers sa petite-fille adoptée Jade. Maintenant qu'il a un chalet à Gstaad, Hallyday va pouvoir mettre sa vieille con sur ski, avait-il lancé. Une déclaration blessante qui avait provoqué la colère de Johnny Hallyday. Les deux artistes ne se sont jamais réconciliés depuis. Malgré plusieurs désillusions, Johnny Hallyday a toujours pu compter sur ses amis et sans, jusqu'à son dernier souffle. Ce n'est pas un hasard si après l'annonce de son décès dans la nuit du 5 au 6 décembre à l'âge de 74 ans, de nombreux artistes issus de la musique et du cinéma ont témoigné de leur tristesse. Certains ont même fait le déplacement jusqu'à la Madeleine, lieu de la cérémonie lors de l'hommage populaire rendu à Paris. Comme quoi malgré la célébrité, Johnny Hallyday a toujours été bien entouré. Crédit photo, Best Image. Veuillez saisir un e-mail valide. Je m'abonne, vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site.